Le Soudan du Sud, au centre des préoccupations des acteurs de la région. Le cessez-le-feu signé entre le gouvernement et les différents groupes armés jeudi à Addis Abeba en Éthiopie est entré en vigueur ce dimanche 24 décembre à minuit heure locale. L'accord obtenu à l'issue de 4 jours de négociations placées sous l'égide de l'organisation régionale IGAD prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissent la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu, réclamé depuis de longs mois par la communauté internationale, est le premier conclu depuis les intenses combats qui avaient agité la capitale Juba en juin 2016. Il est censé être la première étape sur la voie de nouvelles élections. L'accord d'août 2015 prévoyait qu'elles aient lieu en août 2018. Mais cet objectif est considéré comme irréaliste par de nombreux observateurs.